Les hormones telles que les œstrogènes, la testostérone, l'adrénaline et l'insuline sont des messagers chimiques extrêmement importants qui affectent de nombreux aspects de la santé. Les hormones sont sécrétées par divers glandes et organes, notamment la thyroïde, les glandes surrénales, l'hypophyse, les ovaires, les testicules et le pancréas. L'ensemble du système endocrinien fonctionne ensemble pour contrôler le niveau d'hormones circulant dans tout votre corps. Si un ou plusieurs d'entre eux présentent un léger déséquilibre, ceci peut entraîner de graves problèmes de santé, bien sûr. Donc le déséquilibre hormonal. Les traitements conventionnels des déséquilibres hormonaux comprennent généralement des traitements de substitution hormonosynthétique, des pilules contraceptives, des injections d'insuline, des médicaments pour la thyroïde, etc. Malheureusement, pour la majorité des personnes souffrant de troubles hormonaux, le recours à ces types de traitements synthétiques a souvent trois effets. Et bien sûr, je parlais du synthétique, pas le naturel. Cela oblige les gens à prendre des médicaments sur ordonnance toute leur vie pour garder les symptômes sous contrôle. 2. Cela masque simplement les symptômes du patient, mais ne les résout pas, ce qui signifie que le patient peut continuer à développer des anomalies dans d'autres parties du corps pendant la progression de la maladie. De toute façon, vous le savez, les pirates, les synthétiques, ça affaiblit le corps. 3. Il entraîne un risque plus élevé d'effets secondaires graves tels que les accidents vasculaires cérébraux, l'ostéoporose, l'anxiété, les problèmes de reproduction, le cancer et plus encore. La bonne nouvelle est qu'il existe des moyens d'équilibrer naturellement vos hormones. Et je vous ai parlé de ça dans le passé aussi. C'est quoi le système endocrinien? Pour bien comprendre votre santé hormonale, il est certainement utile de connaître votre système endocrinien et la manière dont vos hormones agissent ensemble pour maintenir l'homéostasie. Le système endocrinien est chargé de coordonner les relations entre les différents organes et les hormones, des substances chimiques libérées dans le sang par les cellules de vos glandes endocrines. Une fois que vos hormones sont en circulation, elles ciblent des tissus ou des cellules spécifiques en se liant à des récepteurs situés à l'intérieur ou à la surface de la cellule. Ces hormones agissent comme des messagers chimiques et jouent un rôle clé dans les fonctions quotidiennes de votre corps. Signes et symptômes de déséquilibre hormonaux. Parmi les signes et symptômes les plus courants de déséquilibre hormonaux figurent infertilité et menstruation irrégulière, prise de poids, dépression et anxiété, fatigue, insomnie, faible libido, perte d'appétit, problèmes digestifs, perte de cheveux. Et je ne veux pas vous faire peur, la liste elle est encore plus grande. Les symptômes de déséquilibre hormonal peuvent varier considérablement en fonction du type de trouble ou de la maladie qu'ils provoquent. Par exemple, un taux élevé d'œstrogène peut contribuer à des problèmes tels que l'endométriose et des problèmes de reproduction, tandis que les symptômes du diabète incluent souvent une prise de poids, perte de l'appétit, des lésions nerveuses et des problèmes de vue. Bon, la vue, les reins, tout ça chez les diabétiques, c'est connu, c'est assez connu quand même. Je veux dire, c'est un classique. Solution, équilibrer vos hormones, échanger des glucides pour des graisses saines, utiliser des herbes adaptogènes, l'ashwagandha en particulier peut être extrêmement efficace pour équilibrer les hormones. 3. Résoudre les déséquilibres émotionnels. 4. Utiliser des huiles essentielles. 5. Vitamine D. La vitamine D agit presque comme une hormone dans le corps et a des implications importantes pour maintenir les niveaux d'inflammation bas. 6. Méfiez-vous des médicaments. 7. Dormez davantage. Votre corps a besoin de divers types de graisses pour créer des hormones, notamment les graisses saturées et le cholestérol. Ces graisses essentielles constituent non seulement des éléments fondamentaux de la reproduction d'hormones, mais elles maintiennent également les niveaux d'inflammation, stimulent votre métabolisme et favorisent la perte de poids. Les graisses saines ont l'effet inverse des glucides raffinés, qui conduisent à l'inflammation et peuvent nuire à l'équilibre de vos hormones.